Je parle si vous voulez. Donc, je vais essayer d'aborder la deuxième partie de la synthèse. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord faire une petite précision. La précision que je voudrais faire est la suivante. Alors, je n'ai pas la prétention de revisiter tout le programme parce que le temps ne nous le permet pas. Mais quand même, je vais axer mon intervention sur des points qui posent généralement des difficultés au baccalauréat. Et parmi ces points, il y a le calcul de limite avec ln et exponentielle, ou bien avec ln et ou exponentielle. Alors, la plupart du temps au bac, on se rend compte, ou bien même dans nos classes, dans nos pratiques de classe quotidienne, on se rend compte que les élèves ont généralement beaucoup de difficultés à lever des indéterminations avec la fonction logarithme ou bien avec la fonction exponentielle. Souvent, c'est un véritable casse-tête. Alors, mon objectif, c'est de faire quoi? C'est de vous proposer des méthodes qui vous simplifient un peu cette tâche. Cette méthode, elle n'est pas exhaustive. Ce n'est pas la seule méthode possible, du moins. Peut-être que d'autres ont d'autres ressources donc, pour lever des formes indéterminées. Mais l'objectif, c'est de partager, c'est de vous permettre peut-être de découvrir de nouvelles méthodes qui vous permettra quand même donc, de lever des indéterminations à l'examen et peut-être ailleurs. Alors, je vais commencer d'abord par des limites où il n'y a que ln. C'est comme ça que je vais subdiviser le travail. Donc, des limites où il n'y a que ln d'abord. Ensuite, des limites où il n'y a qu'exponentielle. Et enfin, des limites où il y a les deux. Et de voir dans chaque cas, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir lever l'indétermination. Alors, ceci n'est pas un jeu de hasard, hein. C'est pas un jeu de hasard. C'est quelque chose qui, c'est une technique qu'il faut maîtriser. Et à chaque fois, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et ne pas tâtonner, parce qu'il y a certains qui tâtonnent tout le temps, qui tournent en rond pour revenir toujours à la forme indéterminée. Donc, c'est pas intéressant. Donc, l'idée, c'est de savoir à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire et de le faire donc en un temps record, ou bien de le faire donc voilà comme il le faut. Alors, pour des limites où il n'y a que ln, il y a d'abord des ressources à avoir, des ressources. Parmi ces ressources, il y a les propriétés sur le logarithme népérien. Ces propriétés sont incontournables. Je ne dis pas seulement pour les limites, mais ces propriétés sont incontournables même pour traiter le problème de façon générale. Donc, ce sont ces propriétés, ces quatre propriétés-là que j'ai énumérées ici. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'y revenir parce que tout le monde l'a sur son document. Donc, ces propriétés-là sont à connaître. Donc, si vous voulez travailler avec le logarithme népérien. Donc, voilà, parmi ces propriétés, il y a la propriété A, qui est donnée ici, la propriété B, la propriété C et la propriété D. Je pense que chacun d'entre vous connaît ces propriétés sans ambiguïté. Donc le problème ne se pose pas. Alors, une fois que ceci est connu, il y a des limites qu'il faut savoir d'abord, des limites qu'il faut savoir sur ln. Parmi les limites à savoir, il y a les limites aux bornes. Vous savez que l'ensemble de définition de la fonction logarithme népérien, c'est 0 plus l'infini. Donc les bornes sont 0 plus et plus l'infini. Donc, les limites en 0 plus et en plus l'infini de la fonction ln, il faut les retenir. Ça, quand même, j'espère que tout le monde l'a. Le problème ne se pose pas. Ça aussi, c'est donné dans le document. Je ne vais pas y revenir. Alors, il y a aussi d'autres limites que l'on qualifie ou bien que l'on appelle des limites usuelles pour certains. D'autres l'appellent les limites de référence. Là, quand même, je vais insister. Parce que dans le programme sénégalais, il y a trois limites qu'on a reconnues comme des limites de référence. Il n'y a que ces trois-là, pas autres. Et ces trois limites, c'est celles que j'ai données ici dans le document. Toute autre limite que vous avez doit être calculée. Mais les limites qu'on a données ici, ou bien les formes qu'on a ici, c'est des formes donc qu'on peut tout simplement utiliser dans les exercices sans aucune démonstration. Alors, parmi ces formes, il y a la forme x à la puissance alpha ln de x, avec alpha un nombre rationnel positif. On nous dit que cette limite en 0 plus, cette limite donne 0. 0 moins. Alors, je vais insister sur ce 0 moins là. C'est important. C'est très important. Limite, lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance alpha ln de x, c'est 0. Mais ce 0 là, c'est un 0 négatif. Pour certains, la plupart du temps, ils oublient de mettre le moins là. Mais quand même, c'est essentiel dans certains cas. Au besoin, il faut le préciser. Parce que parfois, ça peut vous être utile. Par exemple, si on vous avait demandé de calculer, je donne un petit exemple, hein. Demander de calculer limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 par exemple sur x ln de x.
Alors, clairement, le numérateur est une constante, ça donne 1. Le dénominateur, c'est un 0. Mais si vous ne précisez pas le 0 moins, vous ne saurez pas quel infini vous allez avoir. Alors que donc ici, le 0 que vous avez, c'est un 0 qui est négatif. Donc en principe, le résultat là, ça doit donner quoi? Moins l'infini. Mais si vous ne savez pas que ce 0, c'est un 0 moins, vous allez mettre seulement infini. Alors qu'on vous a demandé la limite, il faut dire quel infini vous avez ici. Vous comprenez un peu? Donc, d'où le sens donc de préciser que cette limite, c'est un 0, 0 moins. Parce que dans certains cas, nous avons besoin de le préciser. On est d'accord? Donc, ça, c'est la première remarque. Alors, la deuxième limite, elle est connue. C'est limite de ln de 1 plus x sur x en 0, c'est 1. Et la troisième forme, c'est ln de x sur x à la puissance alpha en plus l'infini, c'est 0 plus. Là aussi, il faut savoir que le 0 là, c'est un 0 plus. Parce qu'au besoin, vous allez toujours le préciser. On est d'accord? Donc, voilà les trois limites de référence qu'on a avec ln. Pas, il n'y en a pas d'autres pour les limites de référence. C'est quoi une limite de référence? Une limite de référence, c'est une limite que l'on peut utiliser sans démonstration. C'est une forme que l'on peut donner. On peut donner la valeur sans la démontrer. Mais toute autre limite que vous calculez avec ln, il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul. Mais pour ces trois qu'on a donné ici, il faut les accepter comme telles, c'est-à-dire il faut les utiliser comme résultat. Alors, il y a certains qui prennent cette limite comme une limite de référence, ce qui n'est pas juste, ln de x. Il y a certains qui l'utilisent, le résultat là. Ça, ce n'est pas une limite de référence. Il n'y a que ces trois-là qu'on a reconnus comme limite de référence, les trois qu'on a donnés ici. Cette limite, si on vous demande de calculer, si vous mettez 1 sans démonstration, vous risquez de ne pas avoir les points. Il faut faire la démonstration. Il faut faire. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est pourquoi c'est très important, la précision que j'ai faite. Cette limite, il faudra démontrer. Ce n'est pas une limite de référence. Ça, c'est important. Vous voyez un peu, c'est très important. Hein? Très important. C'est un, mais il faut faire la démonstration. On verra tout à l'heure que ça se démontre très facilement en utilisant les trois limites de référence. Donc, les trois limites de référence, c'est notre tableau de bord pour calculer toutes limites avec ln. Les trois limites de référence, c'est notre tableau de bord. On est d'accord? C'est les trois-là que le programme a reconnu comme limite usuelle. Et nous, on travaille sur la base du programme. À l'examen, on corrige sur la base du programme. Donc, c'est important à noter. Donc, ceci n'est pas une limite de référence. Alors, cette précision étant faite, nous allons maintenant à travers... Oui. Alpha pouvant prendre... Non, alpha est un nombre rationnel strictement positif. On l'a précisé. Hein? Alpha est un nombre rationnel strictement positif. On est d'accord. Strictement positif. Positif. Alpha ne veut pas être nul, on est d'accord. Donc c'est un nombre rationnel strictement positif. Il ne veut même pas être négatif. On ne travaille qu'avec les exposants qui sont positifs. Donc c'est un nombre rationnel positif. Je l'ai bien précisé dans le document, on est d'accord. Donc la valeur 0, la valeur 0 est exclue, tout comme les valeurs qui sont négatives. On est d'accord. Donc c'est bien dit. Alors, j'ai donné quelques exemples. Hein. Donc sur ces exemples, je vais les traiter en vous montrant les techniques que j'ai envie de partager avec vous. Peut-être que vous en avez d'autres, je ne sais pas. De toute façon, j'ai envie de partager avec vous ces techniques. Alors, pour la première limite, quand on me donne une limite à calculer, je rappelle que ces limites qui sont là, je les ai sélectionnées dans des problèmes qui sont donnés à l'examen. Voilà, j'ai sélectionné des limites qu'on a demandé de calculer dans des problèmes d'examen que j'ai amenés ici. Donc, vous voyez, et vous verrez les difficultés que vous allez rencontrer pour calculer ces limites. Et maintenant, on va proposer des méthodes qui vous permettront quand même de les lever sans problème. Alors, quand on vous donne une limite à calculer, naturellement, la première chose, c'est de calculer pour voir qu'est-ce que vous avez. Parce qu'il se peut que la limite ne donne pas une forme indéterminée. Donc, mais il faut faire le calcul. Il y a certains, dès qu'on leur donne une limite, ils pensent que c'est une forme indéterminée. Non. Il se peut que la limite puisse être calculée sans problème, on est d'accord. Donc ici, on va faire le calcul. Alors, on commence par l'exemple 1, limite. Lorsque x tend vers moins 1 plus, vous allez peut-être excuser la qualité de mes écritures, je n'écris pas très bien. Vous allez me l'excuser peut-être. Voilà la limite qu'on nous demande de calculer. Alors, si je veux calculer cette limite, il faut apprendre à bien calculer. Parce qu'à l'examen, on trouve des élèves qui calculent n'importe comment les limites. Un élève de terminale a...
Clair et limpide. Alors, pour calculer cette limite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une différence. J'ai une différence de deux termes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite de chaque terme. On est d'accord? Je vais calculer la limite de chaque terme. Alors, pour le premier terme, j'ai un quotient. Pour calculer la limite d'un quotient en classe de première, on me dit qu'il faut calculer la limite du numérateur, la limite du dénominateur, et ensuite, on peut conclure avec les résultats que nous avons vus. On est d'accord? Ici, je ne vais pas le faire, mais voilà, vous allez comprendre un peu la chose. On va le faire mentalement. Alors, si je prends le premier terme, limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2x sur 1 plus x, je vais le faire mentalement. Alors, le numérateur, il tend vers quoi? Il tend vers moins 2, n'est-ce pas? Le dénominateur, il tend vers quoi? Vers 0. Et ce 0-là, quel est son signe? C'est un 0 plus. Comment savoir que c'est un 0 plus? On fait le tableau de signes. Et je vais le faire au brouillon, le tableau de signes. Vous allez voir que c'est un 0 plus. Bon, je suis assez grand et vacciné, hein, donc le problème ne se pose pas. Hein? Moins l'infini, ici vous avez moins 1, ici vous avez plus l'infini, là vous avez un 0. Alors comment mettre le signe? Ici c'est 1 moins x, n'est-ce pas? Ou bien 1 plus x. Ici à droite je mets quoi? Plus. À gauche je mets quoi? Moins. Donc vous avez vu qu'à droite de moins 1, parce que ces limites se calculent à droite de moins 1. À droite de moins 1, vous avez vu que le dénominateur, il a un signe plus. Donc le 0 qu'on doit avoir, c'est un 0 plus. Le numérateur tend vers moins 2, le dénominateur tend vers 0 plus, le quotient va tendre vers quoi? Vers quel infini? Moins l'infini, très bien. Moins l'infini, parce que le dénominateur est négatif, c'est moins 2. Le dénominateur c'est 0 plus, donc on a négatif sur quelque chose qui est positif. Naturellement, l'infini va être négatif. Ça c'est la limite du premier terme. Alors, pour calculer la limite du second terme c'est un logarithme. Comment calculer la limite d'un logarithme? On vous l'a appris. Pour calculer la limite d'un logarithme, il faut toujours calculer la limite de l'expression qui est à l'intérieur. On est d'accord? Alors, je vais le faire. Limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de 1 plus x, excusez-moi, alors cette limite vaut combien? C'est un 0? Un 0 plus, on est d'accord? On a vu que voilà, si je remplace par moins 1, j'aurai un 0. Et à droite, j'ai un signe plus, donc c'est un 0. Plus. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, ou bien une implication, je peux donner, comme je connais la limite de l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, je peux donner la limite du logarithme, on est d'accord? Donc, ici, je peux dire que limite, quand x tend vers moins 1 plus de ln de 1 plus x, cette limite va donner combien? Ça va donner moins l'infini. Comme l'expression qui est à l'intérieur tend vers 0, le logarithme va tendre vers moins l'infini par composé. C'est une composition, ça, vous l'avez déjà vu, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, le premier terme, il tend vers moins l'infini. Le second terme, il tend vers moins l'infini. Et ici, on avait une différence. À partir de là même, je peux donner la limite de la différence, hein, pour ne pas avoir de soucis. Je vais amener le moins. Vous allez comprendre un peu. Alors, si je mets le moins, quel sera le résultat? Plus l'infini. Excusez, plus l'infini. Donc, si le moins vient, là, on avait moins l'infini. Du moins, ici, moins l'infini. Si on met un moins, donc ça va devenir plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier terme qui est là, il tend vers moins l'infini, n'est-ce pas? Le second terme avec le moins là, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, la somme va donner quoi? Une forme indéterminée. Je vous rappelle que A moins B, je vous le rappelle, A moins B, c'est A plus moins B. Hein? C'est ce qui m'a permis donc de calculer le premier terme. Le premier terme, c'est 2x sur 1 plus x. Le deuxième terme, ce sera le moins B, ce sera moins ln de 1 plus x, vous comprenez un peu? Et moins ln de 1 plus x, il tend vers combien? Vers plus. Alors que le premier tend vers moins l'infini. Donc, la somme là va donner une forme indéterminée. À partir de là, je dis donc, on a une forme indéterminée. Donc, on a fi, si vous voulez. Voilà. Parce que le premier terme, c'est ce monsieur, il tend vers moins l'infini. Le second terme, c'est avec le moins, parce que j'ai dit tout à l'heure que a moins b, je vais le réécrire ceci ici, a moins b, j'ai dit que c'est A plus moins B. Donc, les termes d'une différence sont A et moins B. On est d'accord? Le A, il tend vers moins l'infini. Le moins B, il tend vers plus l'infini. Donc, la somme va donner une forme indéterminée. Alors, question, comment lever l'indéterminant? L'indétermination, c'est ça, c'est la véritable question. Alors, si vous voulez maintenant lever l'indétermination, qu'est-ce qu'il faut se dire, demander? Si vous avez une expression qui comporte ln, vous avez une forme indéterminée. Vous voulez lever l'indétermination. Ce qu'il faut regarder, il faut s'intéresser toujours
à l'expression qui est à l'intérieur du logarithme. Il faut s'intéresser à cette expression-là. C'est ça qui vous guide. Alors ici, si vous regardez l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, ici, c'est quelle expression? C'est 1 plus x. L'expression qui est à l'intérieur du logarithme, ici, c'est 1 plus x. Et vous allez demander, 1 plus x, lorsque x tend vers moins 1, ce 1 plus x-là, il va tendre vers quoi? L'expression qui est à l'intérieur du logarithme, il tend vers quoi? Lorsque x tend vers moins 1, il tend vers 0, n'est-ce pas? Alors, si l'expression qui est à l'intérieur du logarithme tend vers 0, parmi les limites de référence, quelle est la forme à utiliser? La forme qu'il faut chercher, qu'il faut essayer d'utiliser, c'est celle-là. Parce qu'il faut toujours savoir quelle est la forme qu'il faut utiliser pour lever l'indétermination. On est d'accord? Alors, je répète. Si vous avez une forme indéterminée avec ln, vous regardez toujours la limite de l'expression qui est à l'intérieur du logarithme. Si cette limite tend vers 0, si l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, j'ai bien dit ce qui est à l'intérieur du logarithme, si ça